Good morgen, Aleiden, Letus, aujourd'hui le Lonishmat, Moshe Ben Sultana, Rosette Bat Sultana, Amon Yoda Ben Chana, Bigi Bat Esther, Nissim Ben Nahouda, Sarah Bat Chana Rachel. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, continuez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Avodah Zara, Perek Dalet, Mishnah Yudalef. Hametaher Yeno Shel Nochri, Venotno, Birshuto, Bebaït Apatouach, Lirshut Arabim. Beir Sheyesh Ba'agoyim Ve'Israelim, Moutar. Beir Shikol Agoyim, Asur. Ad Sheyoshiv Shomer, Ve'en Hashomer Tzerch Liyot Yoshev Umeshamer. Afal Pishu Yosef Ve'Nichnas, Moutar. Rabbi Shimon Ben Elazar Omer, Kol Reshut Goyim, Achat Hi. On a trois Mishnayot successives. Depuis la Mishnah Yud, le début de la Mishnah Yud, et la Mishnah Yud Aleph, ainsi que la Mishnah Yud Bet, vont parler du même sujet. Chacune va apporter un élément en plus pour mieux comprendre et définir à partir de quand je considère, je crains, que le goy qui se retrouve à côté de mon vin, est-ce qu'il s'est permis de mettre la main dedans et de le sacrer pour la Avodah Zarah? Bien sûr, on parle de Yayin Nesser, depuis maintenant quelques Mishnayot, que Chachamim ont interdit le Yayin Nesser, parce que le goy, naturellement, il peut avoir cette tendance à vouloir sacrer le vin en l'honneur de son idole. D'accord? Dès qu'il se retrouve, j'avais comme ça un rituel apparemment qui pouvait être assez fréquent. En tout cas, aujourd'hui maintenant, Chachamim ont fait un décret que n'importe quel vin qui se retrouve isolé avec un goy, on craint que le goy l'ait pris et l'ait sacré à son idole. Maintenant, dans la Mishnah Yud précédente, on a déjà introduit une notion très importante qu'on rappelle tout de suite. Lorsque j'ouvre la porte de mon cellier, de ma cave, et j'avais là-bas du vin ouvert, d'accord, du vin qui était pas fermé, quand on apprendra qu'on peut fermer, que si on a fermé une bouteille, le vin, on ne craint pas que le goy ait touché cette bouteille. Là, j'avais laissé du vin ouvert facilement, on pouvait ouvrir le couvercle et toucher le vin sans aucun problème. J'ouvre ma cave, et là, je découvre Gustave, le goy d'à côté, qui s'est permis d'entrer chez moi. Apparemment, il est venu pour voler. Et alors là, il y a une question essentielle. Est-ce que Gustave s'est permis de toucher le vin et le sacré à Avodah Zarah ou non? On apprenait dans la Mishnah précédente, Mishnah Yud, une notion très importante, que si le goy se retrouve chez moi, il n'est pas forcément venu pour toucher le vin, pour le sacré pour Avodah Zarah. Étant donné qu'il a très peur de se faire attraper, alors le stress qu'il a fait qu'il n'est pas concentré pour partir sacrer le vin. Il est venu pour voler, il cherche de l'argent, il cherche des bijoux, il cherche à prendre des choses et à partir. Ce stress qu'il a de se faire attraper fait qu'il n'est pas pour le moment, il n'est pas concentré pour se permettre de toucher le vin et le sacré à Avodah Zarah. Donc si j'ouvre la porte et que je le trouve en plein dans mon cellier, qu'il est venu me voler, je ne crains pas qu'il ait touché le vin. S'il n'y a pas de trace, bien évidemment. Même s'il est juste à côté de la cuve où se trouve le vin ou d'un tonneau ou peu importe. Par contre, on apprenait dans la Mishnah précédente que si je lui dois de l'argent, mais plus précisément, je lui dois de l'argent, comme ce qu'on disait, qu'il a un droit de saisie sur ce tonneau-là. Alors là, je crains qu'il ait touché le vin. Parce que si jamais je vais l'attraper, parce qu'il va se dire, ouais, c'est de la psychologie, il va se dire le goy, il a très envie, certes, il a un grand yesserra de vouloir sacrer ça pour son idole. Mais il va se dire, mais si je me fais attraper, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, puisque je lui dois de l'argent de toute façon, et qu'il a un droit de saisie, alors il pourra toujours trouver une réponse bateau en me disant « Ah, je suis venu voir la qualité du vin que tu vas me donner au cas où tu ne me payes pas. » De ce fait, on va craindre qu'il ait touché le vin, qu'il ait sacré le vin. Donc le vin est devenu Yayin Nesser. Ça, c'était dans la Mishnah précédente. À présent, maintenant, on va continuer dans la Mishnah, donc Yud Alef, sur le même sujet, et on traduit déjà pour mieux expliquer. « Ametaher Yeno Shel Nochri » On parle de, littéralement, celui qui purifie le vin d'un goy, c'est-à-dire celui qui va faire du vin dans un cellier de goy, dans un chai en bon français, l'endroit où on fabrique le vin s'appelle un chai, C-H-A-I. Un cellier, une cave. Là-bas, on stocke le vin, en tout cas, ça vient même. Donc, un metaher yeno shel nochi. Il a purifié le chai, le cellier du goy, pour faire du vin kasher. Il est parti pour le faire, en veillant à ce qu'il n'y ait pas un seul goy qui va rôder autour du vin, de manière à ce qu'il va pouvoir facilement le faire et qu'il va être entièrement kasher. D'accord? Donc j'ai loué l'endroit, et ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai fini de le faire le vin, hein, alors j'ai besoin de le laisser. Venotno birshuto, je le laisse dans le domaine du goy, dans sa propriété, qui est pour le moment loué, ou bien même si j'ai pas... Ouais, qui est pour le moment que j'ai le droit de le laisser ici. Et
La Mishnah nous précise, Bebaït a patouach l'irshut arabim, je l'ai laissé maintenant dans une pièce, une fois que j'ai fini, j'ai laissé mon vin maintenant ouvert, bien sûr, bon, le goy peut facilement venir, mais je l'ai laissé dans une pièce à proximité du rishut arabim de la voie publique où il y a là-bas des passants. Alors, excusez-moi. Beir chez Yeshba Israelim, si on est dans une ville, chez Yeshba Goyim Israelim, si on est dans une ville où il y a des juifs et des goyim qui habitent, moutard, alors on va pas craindre que le goy soit venu. C'est l'allergie, ça sert à rien que je recommence le cours, donc on va rouler avec, d'accord? Beir chez Yeshba Goyim Israelim, si on est dans une ville où il y a des juifs et des goyim, moutard, alors ce sera permis. C'est-à-dire, donc on parle que j'ai fini de fabriquer le vin, je le mets dans une pièce où, qui donne sur la voie publique. Si on est dans une ville où il y a des juifs et des goy qui habitent dans cette ville, alors on ne va pas craindre que le goy qui m'a loué l'endroit entre et touche le vin. Même si on va trouver qu'il y a le goy qui est rentré à l'intérieur, on ne va pas le soupçonner d'être venu toucher le vin. Il a peur de se rattraper. Vous inquiétez pas, on va préciser des données. On va porter des données très importantes qui sont rapportées déjà dans le Matan Torah, mais d'abord, je préfère avoir un petit morceau de Mishnah. Par contre, si on est dans une ville qui est entièrement Beir, chez Kula Goyim, si on est dans une ville où il n'y a pas d'autres juifs que moi, alors, à Sour, le vin sera interdit parce qu'on va craindre que le Goy ait sacré le vin pour son idole. Ad chez Yoshiv Shomer, jusqu'à que je vais nommer un gardien qui va rester là-bas, mais attention, la Mishnah nous précise, ce gardien n'a pas le droit, n'a pas besoin de s'asseoir et de rester sur place à veiller ce qui n'est pas un seul goy qui entre ou qui touche, mais même si ça suffit qu'il fasse des va-et-vient dans les parages, même s'il n'est pas constamment à proximité du vin, on ne va plus craindre que le goy approche le vin et le touche. Et on apporte une précision très importante. Comme ce qu'on a introduit par rapport à la Mishnah précédente, on parle d'un, plus précisément, on parle que j'ai loué le cellier du goy pour fabriquer mon vin. Maintenant, je n'ai pas encore payé le goy, mais le goy n'a pas de droit de saisie sur le vin. D'accord? On apprendra dans la Mishnah précédente pourquoi est-ce que j'ai besoin de préciser tout spécialement qu'il n'a pas le droit de saisie, parce que s'il avait le droit de saisie, c'est plus grave, comme ce qu'on verra. Pour le moment, je dois de l'argent au goy, mais il n'a pas de droit de saisie directement de ce vin. Je lui dois de l'argent. Et ce qui se passe, c'est que, donc, je lui donne de l'argent. Pourquoi je lui donne de l'argent? Je lui donne de l'argent parce que j'ai loué l'endroit, mais je ne l'ai pas encore payé. Donc là, maintenant, ça devient un peu délicat. Le goy, d'un côté, il se sent assez boss sur le vin, assez maître sur le vin pour venir le toucher. Mais d'un autre côté, il a peur de se faire attraper parce que si jamais je vais ouvrir la porte et d'un coup, on va le voir qu'il a la main dans le vin parce qu'il est venu, par exemple, pour le sacré ou peu importe, tout de suite, il va se faire soupçonner d'être un voleur. Alors ça se passe comme ça. Si jamais la porte elle est ouverte à proximité du rishut arabim et il y a des juifs dans la ville, alors dans ce cas-là, le goy sait très bien que les juifs ils parlent entre eux. Ils ont toutes leurs histoires de cache-route, ils font très attention à tout. Si toutefois il y a un juif qui va, milieu qu'au moment il va s'approcher de la cuve par exemple pour sacrer le vin pour la Avodah Zara, il risque d'avoir un juif qui va passer le voir par la fenêtre, il va partir cafeter à son copain, et puis finalement il va m'en vouloir, et puis je ne vais plus recevoir mon argent, ou peu importe, il va me traiter de voleur. Alors là, dans ce cas-là, le goy n'approche pas, donc ça devient permis. Mais par contre, si on est dans une ville où il n'y a pas un seul juif, sauf le propriétaire, c'est-à-dire la personne qui a loué le vin, alors face à moi, qui ai loué la cave pour fabriquer ce vin, alors lui, il se sent assez familier, parce que finalement, je lui dois quand même de l'argent. Alors là, on va craindre que finalement, même si la porte elle est ouverte au rishut arabim, il va se permettre d'aller mettre la main dedans et d'aller de le sacrer pour la Avodah Zara. C'est-à-dire, à partir du moment où il aura un bon alibi pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a touché le vin, alors on va craindre qu'il a utilisé cet alibi pour en fait aller sacrer le vin pour son idole. D'accord? Le principe est clair? Donc, on reprend maintenant. Donc j'ai loué le cellier du goy pour fabriquer le vin, et après je le laisse entreposer chez lui, et je m'en vais. Et je le laisse, donc le vin ouvert, et le goy, il peut facilement entrer dedans et rôder. Lui, c'est pas un voleur, il est chez lui dans sa maison, même s'il a loué le vin. Le seul problème, il est qu'il craint qu'on va le soupçonner, pourquoi tu t'approchais, pourquoi tu as touché le vin.
Alors dans ce cas-là, dès qu'il y a même un seul juif à part moi dans la ville, alors il va craindre que l'on ait, il va craindre qu'il y ait un juif qui va le voir et que et donc il va plus toucher le vin. On va plus le soupçonner d'avoir touché le vin. Tandis que s'il y a plus de juifs, on va le soupçonner. Et la Mishnah vient, il m'enseigne et me dit, mais tu as quand même une solution facile à faire. C'est que si par exemple, c'est de le nommer une tierce personne, un autre juif, qui va être donc sommé de surveiller le vin, et dans ce cas-là, il n'aura même besoin de rester sur place. Il suffit même qu'il ouvre de temps en temps la porte et qu'il rôde autour du coin pour que le goy donc, ne va plus toucher le vin, il a peur de se faire attraper. D'accord ? C'est clair, c'est tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. D'accord, on va faire très rapidement. Il a donc loué le cellier du goy pour fabriquer son vin. Venotno birshuto, et il le laisse chez lui dans sa propriété du goy. Lorsque le goy me désigne un coin spécifique pour moi, alors bebaïta patoach rishut rabim. Si on est dans une maison qui donne sur la voie publique, beir sheyesh ba goyim veisraelim. Si c'est dans une ville où il y a des juifs et des goyim, et c'est même pas la peine d'avoir beaucoup de juifs, même un seul juif à part moi. Moutard, on va plus soupçonner le vin sera permis, on va plus le soupçonner de devenir sacré le vin. Tandis que Beir chez Kula Goïm, si on est dans une ville où il n'y a que des Goïm, alors Assour, ça deviendra interdit, on n'aura plus le droit de boire ce vin, il sera interdit à cause de l'interdit de Yain Deser. Ad chez Yoshiv Shomer, jusqu'à que je vais nommer un gardien. Maintenant, la Mishnah nous précise, tu nommes un gardien, mais ce n'est pas le fait que le gardien reste sur place constamment, d'être Yoshev ou Meshamer, qu'il s'asseye et qu'il surveille constamment. Même s'il va, il entre et il sort, constamment il y a du mouvement, alors le vin sera permis. Jusque-là, tout va très bien. Il y a bien sûr d'autres précisions, mais je ne préfère pas alourdir le... Il y a des choses pas exactes dans tout ce que je vous ai dit, en fait, en réalité. Mais malgré tout, j'ai pas envie de trop pousser le bouchon, parce que sinon, on risque de ne plus comprendre du tout ce qui se passe. L'idée, elle est quand même là, et on avance avec, à présent, quelque chose qui va devenir un peu plus compliqué. Rabban Shimon ben Elazar, Omer, Rabban Shimon ben Elazar nous dit, « Kol reshut goyim achat hi. » Tous les domaines des goyim ont le même statut. On comprend rien, quel rapport avec de quoi on parlait, avec le sujet précédent. Il nous dit tous les rechus des goyim. Alors la Gemara explique, c'est rapporté longuement dans le Bartanora ici, que en réalité, Rabbi Shimon ben Elazar déduit quelque chose que Tanakama a dit. Jusqu'à maintenant, dans la Mishnah, on a parlé que, une fois que j'ai fini de fabriquer mon vin, je le laisse chez le goy. Et alors là, il y a un problème. Puisque je dois de l'argent au goy, le goy c'est son famille, alors il risque de toucher. Tandis que si j'avais mis ce vin-là dans la propriété d'un autre goy, alors Tanakama nous aurait dit que le vin sera permis. Pour quelle raison? Ça nous renvoie à la Mishnah précédente. Parce que le goy, il a... Si... Ouais, imaginez. On avait parlé pour le moment que j'avais loué le cellier de Gustave. Et puis, une fois que j'ai fini de le fabriquer, je vais demander à son voisin Christophe s'il peut me prêter un petit bout de sa cour ou me louer un petit bout de sa cour ou de sa cave où je peux là-bas entreposer mon vin pour quelques jours. Donc maintenant, je ne suis plus... Je dois de l'argent à Gustave parce que j'ai loué sa maison. Mais mon vin n'est plus chez Gustave, il est chez Christophe. Alors maintenant, dans la Mishnah précédente, on avait appris quelque chose de très important. Si je ne dois pas de l'argent à Gustave, alors on ne va pas à Christophe, alors on ne va plus craindre que Christophe va se permettre de toucher le vin. Il a peur qu'on va l'attraper comme un voleur. Il ne va pas se permettre d'approcher mon vin. Imaginez qu'il s'est approché du vin, que j'ouvre la porte. D'un coup, ça va être la grande honte. On va le soupçonner, je vais le dénoncer. Donc il n'approche plus le vin. Même s'il n'y a pas de juif qui rôde dans la ville, il ne va plus toucher le vin, il ne va pas se permettre d'aller s'inscrire. Il ne se sent pas familier avec ce vin. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Donc, Tanakama, lorsqu'il interdit, le premier est l'avis de la Mishnah, il interdit uniquement lorsque je laisse le vin chez le propriétaire du cellier à qui je louais, mais pas quand je laisse chez le voisin. Viens Rabban Shimon ben Elazar et nous dit, non, sachez que quel que soit le goy, même si tu le laisses chez le voisin, on va craindre qu'il y ait eu du Yain Neser. Mais comment précisément? Non pas que le voisin, Christophe, se permette lui de toucher le vin, parce que lui, comme ce qu'on a pris dans la Mishnah, Yud, il ne se permet pas de toucher, si je ne lui dois pas de l'argent, il a peur de se attraper, de se faire soupçonner. Mais on va craindre que Christophe va laisser son ami Gustave, le propriétaire du cellier, entrer et sacrer le vin.
c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Il va, comme la Gemara explique, Chayshinan le Gomlin. Il va lui dire que, apparemment, c'est un grand yitzhara chez les goïms de sacrer le vin en l'honneur de l'idole. Alors Christophe et Gustave, ils parlent ensemble. Il va lui dire, tu sais, moi, je n'ose pas toucher le vin, mais si tu veux le faire, ni vu ni connu, fais-le, viens. Et comme ça, il sait très bien que demain, lorsqu'il y aura la même histoire en sens inverse qui va se produire, que quelqu'un il va louer le cellier de Christophe, et puis qu'ensuite il va entreposer le vin chez Gustave, alors Gustave il va le laisser, il va laisser Christophe entrer chez lui pour lui aussi sacrer le vin. C'est selon ce principe, Chayshinan les Gomlin, ça s'appelle. On craint qu'il se rende service. Aujourd'hui tu me rends service, que tu me permets de rentrer pour sacrer le vin chez toi, et demain tu rentreras toi chez moi pour sacrer le vin de l'autre. D'accord ? Ça c'est l'avis de Rabban Shimon, de Rabbi Shimon ben Elazar, tandis que Chachamim, lui, le premier avis de la Mishnah, nous disait donc que non, il y a pas, on ne craint pas qu'il se soit fait un accord entre eux, et donc tu as le droit de le laisser chez le voisin, et on ne va pas craindre que le voisin va toucher ensuite lui-même le vin. Et pour la halakha, alors ça fait une petite discussion qui est retenue, le Barthes Noir rapporte que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, comme le deuxième avis, donc on ne pourra plus laisser le vin chez le, même pas chez le voisin, parce que le voisin il va laisser le propriétaire du cellier est rentré toucher le vin. Et ici, il rapporte les Mefarshim que c'est en réalité discuté. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Misalam.